C'est l'application la plus sulfureuse du moment, rien que son nom que je vous laisse traduire, annonce la couleur, Nipple. Tout un programme. Alors Nipple surfe sur la mode des réseaux sociaux où tout le monde partage tout et parfois n'importe quoi, et sur celle du Quantified Self, cette pratique qui consiste à mesurer tout ce que l'on fait au quotidien. Mais en poussant le bouchon extrêmement loin, puisqu'elle propose à ses membres de partager anonymement ou pas leurs activités sexuelles. Bref, l'idée est de recueillir un maximum d'informations afin d'en tirer des statistiques globales et individuelles sous forme de graphiques et de pourcentages. Pratique, position, durée, lieu, accessoires utilisés, tout est passé en revue. Chacun peut consigner dans ses applis ses différents partenaires, mais fort heureusement sans les nommer, et leur attribuer une note. À chaque enregistrement, les utilisateurs de Nipple gagnent ainsi des points. Plus leur façon de faire des galipettes est considérée comme originale, plus le nombre de points attribués est important. Et l'application tient ainsi un jour un classement de ses membres les plus actifs, les profils publics des trois premiers étant publiés chaque semaine sur le site internet de l'appli. Voilà une bien curieuse idée. Bon, je ne vous en dis pas plus, si ce n'est que Nipple est encore en version bêta, pour le moment elle ne tourne donc que dans une fenêtre de navigateur, mais ses développeurs italiens nous promettent très prochainement de véritables applis pour iOS et pour Android. Super !